Eh ben. Salutations, puissante guerrière. Moi aussi je suis un genre de guerrier. Je combats la tristesse par la magie comique. Les gens sont si moroses ces jours-ci, je dois les faire rire encore plus fort. Mais tu vas... Ah ah! Bon, je sais pas si ça compte, mais... Je vais juste vérifier un truc. On est d'accord, il n'y a rien là-haut. Très bien. Et pareil ici. J'ai cru pendant un instant que le soldat avait trouvé le moyen de remonter. Pas autant, mais bon. Et hop, dégommons tout ce beau monde. Dire que ses chances de survie sont quasi nulles. On va pas utiliser une super contre un seul soldat. Bonjour. Bon, Joy, où est-ce que cet imbécile... Oh, ne faites pas attention à moi, je viens de perdre de vue l'un de mes amis. Cet endroit est rempli de bêtes très mignonnes mais agressives. Faites attention et ouvrez l'œil. Alors par là il y a un chemin, par là aussi. Pauvre Dar. Hé, jeune fille, viens par ici. Qui, moi? Oui, toi. Ah, j'aurais dû faire une voix un peu plus... Mais bon. Jeune fille, mon nom c'est Ajna. Une vraie petite agitée. Et tu ne laisses pas le royaume de fer te dicter ta conduite. Ça, non, hors de question. C'est tous des mauviettes. Mais comment tu sais tout ça? Tu es voyant? Il a dû nous voir nous battre contre les gardes. On en a combattu pas mal. Oui, c'est possible. Mais j'aurais voulu rencontrer un vrai voyant. J'étais autrefois leur homme de main. Je suis formé pour remarquer ces détails. Quoi? Tu es un genre d'assassin, c'est ça? Pas du tout. Oui, il m'est arrivé de faire couler du sang d'innocents en leur nom, mais je ne le referai jamais. J'ai besoin de votre aide, et je vous aiderai en retour. Tu es un mercenaire, alors? Je ne le nierai pas, mais je veux arranger les choses, et je ne veux pas de ton argent. Tant mieux, parce que j'en ai pas. Et arranger les choses, ça veut dire quoi exactement? Justice pour les innocents et la mort pour Vasco. Vasco? Nous étions tous les deux à la tête d'un groupe de mercenaires nobles, les Caballeros. Que des actions nobles, voyez-vous. On protégeait les faibles, ce genre de choses. Mais ce n'était plus suffisant pour Vasco. Oh non. Et si, il était le meilleur des Caballeros. Après moi, bien sûr. Mais la cupidité l'a aveuglé, et il a accepté un travail pour Ravanara. Cette voie mène toujours au naufrage. Oui, ce fut le cas pour nous tous. Il a assassiné un noble au grand cœur du royaume de fer. Et nous autres, Caballeros, avons tous été considérés comme des criminels, puis bannis. Vasco essaye maintenant de nous éliminer un par un pour que son horrible secret ne soit pas révélé. Mais je voudrais le trouver d'abord.
et tu voudrais qu'on t'aide à le faire. Tu comprends vite. Et ma part du contrat sera de vous offrir mes services. Je veux refaire le bien. Est-ce que... Ah non, c'est que... On ne te connaît pas. Tu nous as croisés dans une allée. Ajna faisant preuve de précaution pour une fois. Oui, ça m'arrive. Oui, c'est vrai, vous ne me connaissez pas. Mais moi, je vous connais. Votre réputation vous précède. Et je pourrais faire le bien avec vous. Je sais que vous pourchassez Kala. Et que vous auriez bien besoin d'un mercenaire à vos côtés. Laissez-moi faire mes preuves. Je tirerai 5 sur 6 pour vous. 5 coups sur 6 pour vous. Le dernier est destiné à Vasco et personne d'autre. Bon, tout le monde a droit à une deuxième chance. Mais si on te prend à agir mal, on te met à la porte. Je vais te surveiller pour m'assurer que tu tiennes parole. Mes nouveaux amis, je suis ravi. Je ne mérite pas tant. Je suis ravi de vous rencontrer, et encore plus ravi de servir la bonne cause à nouveau. Vous rendrez un grand service à un vieux soldat. Le bandit armé au regard d'acier a rejoint votre bande. Ben non, parce que le problème là, mon équipe elle est parfaite en fait, donc Mais attendez, parce qu'il veut qu'on retrouve Vasco, mais qui c'est ce Vasco? Parce que moi je veux bien chercher ton Vasco, mais à quoi il ressemble? Ouais, il y a un chemin sur le côté, et je veux voir où est-ce qu'il mène. Ah zut, je me suis trompé! On remonte. Tout doucement, mais sûrement. Zut, je me suis encore trompé. Comment je fais ça, moi, sérieux? Surtout, comment je peux me tromper? C'est sûrement parmi les touches les plus simples. Voilà. Alors, où est Vasco? Mais où est Vasco? Est-ce qu'on a déjà rencontré un Vasco? Comment ça se fait? Ah oui, c'est vrai. J'ai une super attaque. Au revoir, Vasco. Au plaisir de jamais vous revoir. Terminer le combat. On m'appelle l'épouvantail parce que je suis grand et j'ai tendance à faire fuir des monstres géants et des filles fantomatiques. Ça me rend assez impopulaire auprès de l'armée et des gangs, mais au moins je suis en vie. Je vais donc continuer comme ça. Et on verra bien ce qui rira le dernier. Je suis une référence. Une référence à quoi? Une référence, c'est tout ce que t'as besoin de savoir. Oh, là, je vais là-haut, on n'a pas... pas assez regardé quand on était là-haut. Bon. C'est de mieux en mieux, hein. Je sais pas qui fait les portraits, mais c'est un grand artiste. Oups. Je serais revenu en arrière. Ah non, pas vraiment. You there, halt. More guards. I'm tired of these guys. Look at it this way. The more of them we take down, the fewer of them there are. Yeah! Positive thinking! Hello, friends. Need some help? I mean, we beat up on these guys all the time, but sure, why not? The more the merrier. That's right, it is I, Campan, the Iron Mouse. Super spy, lovable thief, and master of espionage.
Works for me. Time to beat up some bad guys. Je crois qu'on s'est fait piquer des trucs, c'est ça? À tous les coups, c'est ça. Elle nous a piqué des trucs. Voilà. It's over. Thanks, Kanpan. I'm Ashna. We're here to open the chakra gate and defeat Kala. Oh, thanks. I thought that was going to be a lot harder. What was? Nothing. Just most people I meet aren't so straightforward. It's one of my best qualities. Ashna, I'm really not sure about this one. She just wants to help, Dar. Don't be a jerk. That's right. I'm helping. I know where the Moloch is being built. It's in the factory. We should head towards the roof. It's the best way in. Very few guards, too. Great. See you, Dar. If you say so. Follow me. Wait, how did she slip through there? She used a vaulting technique, accomplished by... Wait, shut up! Don't tell me! I'm gonna figure it out myself. J'ai appris Vril Kampa. Oh! Haha! See? I'm smart! I never said you weren't. Yeah! Ashna! Bon. Alors attendez, non, je me trompe toujours du coup. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc par ici? Ah bah oui, bien sûr. Pas une plateforme ça? Oh, pas... dommage. En tout cas, on saura comment se déplacer pour ces trucs là maintenant. Et vu qu'il y en a pas mal... Un gros chat, ça faisait longtemps. Bon, on a détruit le canon, c'est déjà ça. Voilà, maintenant la seule chose qu'il peut faire, c'est nous foncer dessus. Or, c'est pas tellement sa meilleure attaque, en fait, ça. J'ai vite compris le truc, hein. Allez, il s'arrête. Pauvre Dar, à chaque fois, il se prend les missiles. Jeune fille, as-tu entendu parler des dangereux dragons qui rôdent à l'extérieur de ces murs? Je vais les chasser jusqu'à l'extinction, j'en fais le serment.